C'est une campagne à laquelle participent les soulèvements de la Terre, mais en fait c'est aussi une coalition de plus d'une centaine d'organisations à la fois locales et nationales pour désarmer l'Empire Bolloré. C'est une campagne qui s'inscrit dans un temps long, déjà parce que l'ennemi est puissant et aussi parce que pour nous, enfin, en tout cas au soulèvement de la Terre, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on se dit que quand on va quelque part, on s'engage aussi à y revenir et on s'engage aussi à frapper jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui vacille. Et donc face à l'Empire Bolloré, on s'inscrit sur un temps long et on continuera cette campagne. Enfin, cette campagne, elle va durer tout le temps qu'il faut. Je suis bien content d'être là parce que je pense qu'il est nécessaire de prévenir tout le monde qu'il va falloir résister à ce qui se met en place, c'est-à-dire la droite, l'extrême droite, qui vont une fois de plus prendre des mesures, détruire le service public et prendre des mesures qui vont nous faire souffrir et qui vont faire souffrir les travailleurs. Donc je suis là pour résister à ça. Non, pour moi, c'est un archipel paradisiaque que je connais depuis très très longtemps et qui a été vulgarisé, disons, la fréquentation a été multipliée grâce aux résistants de la guerre de 39-45. C'est eux qui avaient proposé de recevoir et de commencer les écoles de voile avec les malheureux qui sortaient des camps de concentration. C'est un haut lieu de résistance, alors que Bolloré se permette de... voilà, je pense que c'est moi, je suis content d'être là et content de voir qu'il y a du monde. Et j'espère qu'on va pouvoir résister à cette invasion de grise. Antifascisti!